Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas développer deux points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe Bombard Media now là voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media now pour information pays. Et yon gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police, équipe Bombard Media now là, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous information nous partager intéressé, pas oublier abonner avec Bombard Media now et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media now là. Et bien nous pas perdre de temps, n'a dérouler avec information yo en ouais. Ministre Justice et Sécurité publique pays, Luc Mandeli dénoncé 509 fantômes li dit qu'a fait en pile des ordres dans vie nationale là, li pas reconnaître comme policier, c'est un groupe terroriste moun sa oyé qu'a fait zak dans capitale là. Li gen planification action contre 509 et li dit la fait dernier prière pour groupe ça. RNDDH André Michel sorti dans silence pour le faire connait que yo pas prendre intimidation après Zak Malhonnête qui passé dans local RNDDH là. Et c'est information ça nous porter pour nous pas perdre du temps, n'a commencé courrier. Justement conférence de presse là nous fait le matin hein? C'est pour nous dénoncer et cette histoire de fantôme 509. Et c'est des groupes moun qui la dedans qui fait tête passer pour policier. En réalité, par contre, qui est sûr. Il y a un cas qui dans yeux. Il a fait violence. Et nous remarquons là, avant, ça a gagné presque 2 mois depuis le crasé ministère ça. Il a écrasé finance, il a attaqué planification, il a attaqué même direction générale de la police, pas payé, inspection générale. Ça a gagné tantôt 3 semaines, il a refait encore. Il a attaqué ONI, il a attaqué ONA, et puis ministère de l'économie et des finances. Donc nous trouvons son bail extrêmement grave. Des gens qui soi-disant ont fait des actions terroristes et qui font être passés comme policiers, alors que nous tous connaissons la police sont une institution noble. Un policier est celui qui est à la disposition des citoyens en l'honneur et à la dignité. C'est ça le devoir de la PNH, servir et protéger. La police, dans tout pays sous la terre, sont institutions qui anti-vagabondage. La police là pour l'éteindre du feu, la police pas là pour la mettre du feu. Monsieur Pelletet, le fantôme 509, et ses croisés machines dans la rue, c'est mettre du feu, c'est tirer dans tout sens. Et grand syndicat créé le SPNH, il a profité de vous, il faut faire des marquations claires, sans équivoque, si vous ne pouvez pas supporter l'action terroriste. Vendredi dernier, nous rencontrons avec vous, nous faisons une bonne rencontre, nous discutons exactement sur ça, on va parler là. Et nous croyons que le moment arrivé, et le moment, n'a pas lié, c'est le moment plus que jamais. Où ils font des démarcations claires, sans équivoque, sans ambiguïté, contre l'authenticité qui fait tête passer comme policier jusqu'à présent. C'est des actions de vagabondage et de terroristes que monsieur a fait. Parce que sous prétendu ces policiers, on n'a pas craser briser. Comment comprendre des policiers, soi-disant, tous les guillemets, ils disent ça, oui. Ils ont réclamé pour eux par X ou Y, et puis même économie des finances. Monsieur Alkrazi, et qui est-ce qui doit préparer chèque pour eux? C'est le comité des finances. Donc, c'est un non-sens. C'est des bagailles que le monde ne peut pas comprendre. Alors, nous commençons ce travail, nous avons un dossier en pile là de faire des autres là. Nous ne pouvons pas faire la pression, mais nous là, nous pouvons faire des banons. Enquête là pour la poursuivre. Et des pays amis, nous avons pour nous le bail tout, nous avons fini avec l'enquête. Enquête là. Puis on va quitter Mounsayo, mettre pied dans le pays côté oui. Et parce que je crois que tout pays a combattu terroristes et l'action qu'a faite là n'a pas gagné pour avec la police.
Et tout le monde connaît, pays à connaît, et qui sentiment, qui est affectivité que nous avons pour la police nationale, parce que c'est le monde qui croit dans l'ordre, dans la discipline, nous croit dans la force publique, c'est-à-dire l'armée, les forces armées d'Haïti, FADH, et la police nationale d'Haïti. Donc, je crois que tout le monde qui a des désordre, je crois tout le monde qui a des vagabondage, pas capable de la police, pas capable de l'armée. Donc, c'est un Nadal qui est élevé, grandit dans l'ordre et dans la discipline, qui va grandir dans la délinquance. Donc, la police anti-désordre, il n'est pas là pour désordre. Et ça qu'a fait la bagarre pour la police, et c'est action terroriste. Et nous instruisons la police là, et la justice pour traquer M. Sayo. Et qu'a annoncé, qu'a fait buzz sur les réseaux sociaux, qui va faire violence. Et n'a pas dit au pinga, halte là. Donc, nous ne pouvons pas prendre ça à la main encore. Donc, la police a une instruction formelle et la justice pour traquer M. Sa comme de bête sauvage parce que l'action terroriste ça ne va pas prendre en compte. Nous, qui l'a comme ministre de justice et sécurité publique, qui représente l'État, donc maintenant, pas de M. Sa le fait battre. Et si on a une revendication quelconque, et comme le bon syndicat qui est le SPNH, il a le fait passer par le biais du SPNH. Là. Donc, il n'y a pas qu'à prétendre qu'il y a vandalisé tout le bagage dans le pays, qu'il y a crasé, qu'il y a attaqué les citoyens sous prétexte que c'est policier, oui. Donc, ça ne va pas prendre la main encore. Et je crois que toute la police s'attendait et pour y faire monsieur, ça fait mal. Ce n'est pas possible. Ne pas accepter de continuer à prendre ça la main encore. Donc, et à bon entendeur, salut. Nous pas de gens dit après 72 heures qu'il débat là. Et automatiquement le fini la BTF, de pas ça les gens dit. Et des gens qui font amalgame, et ils ne pas bien comprendre, des gens qui amalgame, ils font que l'autre ne pas bien comprendre. Nous disons que nous devons une deuxième note, nous disons prend, nous espérons pas qu'il y ait un bon moment encore. Et après 72 heures, l'État est venu. Ça veut dire, baba, qui joue, qui date. Nous ne sommes pas capables de faire opération pour nous dire que nous ne jouons pas de côté, nous ne sommes pas imbéciles. Mais bandits, attendez, nous seulement qui adressé. Avec deux bons mouns, nous croyons que ce n'est pas parce que mon lieutenant Bidonville le dit que c'est criminel, le dit que c'est méchant, pour ça. Ce n'est pas ça le dit. Non, tu as une possibilité pour les gens qui sont bons, retirer dans l'espace là. Pour l'État qui agit contre les gangs, contre les terroristes en bas. Et c'est terroriste. Oui. Maintenant, nous avons un délai, nous avons un délai, nous avons dit que 72 jeunes débats là. Épuisés. L'État, l'un de l'air, l'État a débarqué à n'importe qui moment, même Jean-Jésus-Christ dit de la Bible, l'a venu comme un voleur, dans la nuit, pas de monde qui veut l'a venu. Voilà. Et nous voulons commencer par condamner l'attaque armée perpétrée hier soir contre le local du RNDDH à Port-au-Prince. Nous apprenons que nous avec ZAM tiré hier soir sous local RNDDH. Tout ça fait partie de manœuvres d'intimidation pour faire RNDDH fermer bouche-li, pour faire Pierre Espérance courir quitter terrain. Mais heureusement, c'est bien compté, mal calculé, parce que justement, c'est une organisation qui gagne l'estomac pour faire face à type de bagaille ça. RNDDH, ce n'est pas jodi à commencer bataille pour respect droit monde dans le pays d'Haïti. Et ce n'est pas jodi à quitté deux, trois mouns ont pouvoir qui n'a pas aucune crédibilité, aucune légitimité faire le courir. Maintenant, ça pour nous connaître la question ULCC qui a fait persécution sur RNDDH. En nous reprenons bagaille là côté le commencer. Commencement mois d'avril 2017. Jovenel Moïse fait monter président, il décidait de faire craser RNDDH. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé, ils ont l'orbeille, et ce qu'on brûle pété dans RNDDH, en question de chèque, 1 500 000 gouttes. Ils ont pensé, ils ont cru, ils ont crasé RNDDH. Là, ils ont regardé, ils ont eu RNDDH, puis rouillé, puis coupé, puis diam, la puis raide. Qu'on y a, ils retournaient avec même dossier. Ils ont inventé, non, mois avril 2017 là, ils retournaient avec dossier ça en dans ULCC pour essayer de craser RNDDH.
Yo met à vie de recherche derrière madame Jean-Pierre, une dame très respectable, très honnête, il a persécuté parce que yo voulait fermer un DDH, yo voulait craser Pierre Espérance. Mais question pour poser, pour qui ça yo voulait craser un DDH? Pour qui ça dans toute organisation droit monde qui gagne là, c'est RNDDH qui a attaqué? Eh bien, les raisons sont claires. T'es bon massacre qui fait la Saline. Des organisations droits humains qui te disent c'est 10 12 monde qui te mort en bail comme ça. Yo pas même un nom mon yo avec prénom yo. Pouvoir faire tout ça le connaît pour être capable tout fait massacre la Saline. RNDDH avec Pierre Espérance prend dossier en main et RNDDH avec Pierre Espérance yo fait un rapport sur le massacre de la Saline. Yo dit le massacre de la Saline c'est un massacre d'état. Et yo montré il y a plus passé 71 monde yo assassiné yo massacré la Saline. Yo montré il y a ti fille yo assassiné yo violé. Yo montré il y a femme enceinte yo assassiné yo violé. Et yo montré que monde qui a dirigé l'état yo participé dans massacre la Saline. Et je dis à toute organisation droits humains à l'étranger depuis a parlé de massacre la Saline, c'est rapport RNDDH là yo prend. Voilà pourquoi le pouvoir en place, Jovenel Moïse, avec l'autre monde qui paraît mais RNDDH, ils mettent ensemble pour abattre, pour craser Pierre Espérance, pour anéantir crédibilité RNDDH. Vous connaissez le dossier Petro-Caribé, nous commençons le procès le 29 janvier 2018, cabinet d'instruction. Mais si une organisation de droits humains qui aide les gens qui portent plainte, qui accompagne les avocats, qui aide moun dans pays étranger contre ça qui a passé dans dossier Petro-Caribé, c'est le RNDDH. C'est le RNDDH qui a fait la promotion du dossier Petro-Caribé à l'étranger. Voilà pourquoi ils veulent abattre le RNDDH. Voilà pourquoi ils veulent craser le RNDDH, ils veulent détruire Pierre Espérance. Comment ça ça sur la taille, sur réseau détaillé. C'est celle ministère social qui pas jamais bloqué contact seul. Notre tout ministère, nous c'est celle ministère qui prend première prime nos corruptions. Nous c'est celle ministère affaires sociales qui prend première prime nos faits dilapidation. Nous c'est ça. Nous dit président Jovenel Moïse, attention, faut les saisir parce que il te dit, là il mettait l'argent dans poche nous, là il mettait manger dans poche nous. Je dis est-ce que c'est le gars lacrymogène ça? Est-ce que c'est Hugo ça qui mange noir? Est-ce que c'est Bambi ça qui a genoua? Non, c'est ça. Nous dit, tout autant de babadou, 18 mois de travail nous, et les nominations nous, yo, nous devons commencer par nous balles, nous devons commencer à tirer nous comme c'est tiré, c'est Jean-Claude. Nous-mêmes, contactez avec social. Nous dit, nous ne pouvons pas disparaître. Quand nous disparaissons, quand on a grand goût, nous devons disparaître à coronavirus là. Merci. C'est pas Jean Robert, contractuel affaires sociales. Contractuel dans le ministère affaires sociales. Nous-mêmes, je ne j'ai dit à nous demander, le pile ça doit nous 18 mois avec l'être nomination nous. Parce que gain là nous là qui gain 10 ans, 20 ans, 7 ans, 8 ans, 4 travail, nous tous ces agents ministères, m'a montré bas travail. Nous ok, merci. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'écouter des
dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son babes a chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.